après s'être imposé aux élections législatives, le Parti socialiste doit maintenant penser aux coalitions. Sans atteindre la majorité nécessaire pour gouverner seule l'Espagne, le Premier ministre socialiste recueille 29% des voix et 123 députés après le dépouillement de 99% des bulletins. Pedro Sánchez pourra compter sur l'appui du parti de gauche Podemos, qui remporte 42 sièges contre 67 en 2016, mais devrait avoir besoin de celui de parti régionaliste et donc a priori des indépendantistes catalans. Le Parti socialiste a remporté les élections, le futur a gagné et le passé a perdu. Tout d'abord, j'aimerais remercier les plus de 7 millions de femmes et hommes espagnols qui ont voté pour nous, qui font confiance au Parti socialiste pour gouverner ce pays pendant les 4 années à venir. Avec un scrutin débouchant sur une poursuite de l'instabilité politique en Espagne, Pedro Sánchez est donc obligé de bâtir une coalition difficile pour continuer à gouverner. Même avec une alliance composée du Parti Populaire, du Parti Ciudadanos et du parti d'extrême droite Vox, ces trois formations de droite ne pourraient faire le poids face à une coalition de gauche. Pero... Sí que es algo positivo porque en apenas un mes vamos a volver a ser llamados a las urnas. La note positive que nous devons retenir est que d'ici un mois, il y aura de nouvelles élections et nous pourrons prouver que si nous nous unissons et mettons en place une campagne stratégique à travers laquelle nos électeurs de centre droit réaliseront que cette division est bénéfique pour le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Grande surprise de ce scrutin législatif, le parti d'extrême droite Vox sera dorénavant représenté par 24 députés au Parlement. Il s'agit de la première formation d'extrême droite présente dans l'Assemblée depuis le décès du dictateur fasciste Franco. Nous sommes désormais 24 députés. Un miracle est survenu. C'est incroyable d'arriver au point auquel nous sommes arrivés là. Ce parti ultranationaliste fait son entrée au Parlement avec 10,26% des voix contre 0,2% lors des élections de 2016, dans un des rares pays européens où l'extrême droite était absente du paysage politique. Cette année, les élections législatives auront connu une hausse de participation de près de 10% comparée au scrutin de 2016.